Bucarest, Radio Roumanie Internationale. Mesdames et messieurs, l'équipe de la section française de Radio Roumanie Internationale se fait un plaisir de vous inviter à écouter cette émission qu'elle a voulu aussi bien qu'agréable, avec un maximum d'informations sur la Roumanie et les Roumains. Bonne écoute! Info plus sur RRI, voici le journal. La réunion ce samedi du comité exécutif national du Parti social-démocrate, principal action politique de la coalition à pouvoir en Roumanie, a visé à évaluer l'activité du gouvernement et à définir les priorités législatives de la future session parlementaire. Près de 90 nouveaux cas de rougeole ont été confirmés cette semaine en Roumanie. Et puis, une quarantaine de militaires roumains participent du 1er au 15 septembre à l'exercice multinational Rapid Trident 2018 qui a lieu dans la ville ukrainienne de Yavori. Le comité exécutif national du Parti social-démocrate, principale formation politique de la coalition au pouvoir en Roumanie, a tenu séance samedi dans la station littorale Neptune. Les sujets dominants à l'ordre du jour ont été l'évaluation de l'activité du cabinet dirigé par au bout de 7 mois de mandat, le stade de la mise en œuvre du programme de gouvernance. La direction du Parti social-démocrate et les groupes parlementaires réunis se sont également proposé de définir la stratégie pour la session parlementaire d'automne, dont la priorité est la nouvelle loi sur les retraites. Près de 90 nouveaux cas de rougeole ont été confirmés cette semaine en Roumanie, a annoncé le Centre national de surveillance et de contrôle des maladies transmissibles. Depuis le début de l'épidémie, il y a 2 ans, on a recensé plus de 1 000 centaines de décès.